Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Repas Universalis 4 avec Damned. Salut Damned. Salut les gens. Et on se retrouve du coup, et ben tranquillement, on venait de terminer une guerre assez énervée, je crois. D'unification de la frise. Ouais, d'unification de la frise, où je devais éventuellement peut-être... C'est ça, exact, oui. Je devais mettre fin aux révolutionnaires, écraser la révolution, puis finalement bah, j'avais pris la province parce que voilà. On me l'a fait remarquer dans les commentaires. Voilà. Mais tu voulais écraser la révolution? Oui, mais non. J'ai pris la province finalement. Entre temps. Voilà, sur un malentendu. Après, comme je disais dans les commentaires, c'était pas le pays violet. Normalement, c'est censé être le pays violet, le pays chef de la révolution. Mais pour l'instant, bah y en a pas. Donc je pense qu'en fait, le seul vrai pays violet, c'est celui où c'est né. Donc il y a que toi qui pourras devenir le pays violet chef de la révolution, je pense. Probablement. Le pays qui porte haut les couleurs de la révolution est en violet. À moins qu'il soit à un autre endroit dans le monde, mais ça m'étonnerait. Non, pour l'instant, il n'y a qu'en Europe qu'il y a de la révolution, on est d'accord. On est d'accord. Donc, non, c'est pas ça du coup. Mais du coup, je pense qu'écraser la révolution, ça fait juste que voilà, le pays il est plus révolutionnaire, ça rétablit une monarchie. De toute façon, c'était marqué dans les objectifs de guerre. J'avais regardé, ça rétablit une monarchie, et puis voilà quoi, ça met fin à la révolution. Peut-être que si on le fait sur tous les pays révolutionnaires, ça arrête la révolution, mais j'y crois pas trop. Ouais, ouais. Je pense qu'il doit falloir le faire sur le pays d'origine, et c'est toi, donc j'enlève la pause. Et oui. Bon, bah on se refait. On se refait, on a absolument pas besoin de se refaire, c'est un truc de fou. C'est clair. Pourrait déclencher la guerre contre l'Espagne direct, quoi. Pas bon, moi je serais... Un peu dans la merde en faisant ça, mais... C'est la Lorraine, ouais, c'est la Lorraine qu'il faut que je prenne, mais si je prends la Lorraine... Après, si tu as envie d'une guerre, on peut, hein, clairement, mais... Si je déclare la guerre à la Lorraine, ça s'appelle Brandebourg, l'Espagne, Gueldre, la Bohème, le Mecklembourg, la Toscane et Lübeck. Voilà. Mais c'est vraiment parce qu'on a rien d'autre à faire, hein. Ouais, ça paraît pas non plus un truc de fifou, quoi. Non, 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 c'est sûr. C'est ce que je peux faire de mieux alors que je suis encore sous le joug d'un. D'une conspiration, je vais y arriver. D'une. J'ai pas le mot! Une coalition, voilà, coalition. Oh, bordel. Allez, voilà. Je vais prendre nuit. J'ai pas mieux là. Bah, de toute façon, la coalition, forcément, hein, ça, au bout d'un moment. Nous on en a une coalition toujours contre nous, ouais complètement. Ouais. Prus, Sandberg, Ulm, Grupin, ouais, plein de monde. Plein de monde. Alors on a récupéré notre diplomate, on a vite fait poser un embargo. Hop, voilà. Je vais attendre un peu, mais je sais que là on fera la guerre, on la fera cette petite guerre. Ah bah en plus, ces chiens galeux de Lorraine revendiquent la Franche-Comté. Moi La Franche-Comté. Ouais, la Franche-Comté, ouais. Quelle drôle d'idée. Alors on n'est pas en trêve avec l'Espagne après, ça pourrait être une possibilité. Et dans la coalition contre la Normandie, mais pas contre moi. Bah c'est pour ça, hein, ça peut être ouais. Mais même si elle me déclarerait la guerre, ça donnerait l'occasion de... Elle serait dans la guerre là, elle rejoindrait pour défendre de toute façon, donc ça serait l'occasion de lui tomber dessus. Hein. Mmh. Bah elle est en guerre contre Jenné visiblement, je suis pas convaincu que ça soit une douleur pour elle. Kabili, Bono et Kano, ouais, effectivement. Bon après, j'avais pas encore refait toutes les flottes, c'est ça que vous me dites? Il y en a 184 bateaux, il y en a un 5ème qui arrive, hop, voilà. Bah après oui, vois, hein, je vais pas te forcer non plus la main, hein, mais... Non, bah de toute façon, moi je suis, hein, je fais le tour un peu de mes flottes, des trucs, voir si j'ai des choses à améliorer, mais... Je pense que c'était plutôt pas mal, cette flotte-là c'est bon, cette flotte-là elle est en état, cette flotte-là... On a un navire à améliorer, mince partie. Ah oui, c'est vrai qu'on avait posé le pied au Bahamani aussi. Est-ce que du coup ça me file un casus belli sur le Vijayanagara? Ah oui, j'ai impérialisme sur le Vijayanagara si je veux. C'est quand même 98 000 hommes. Hein. Enfin, un infanterie. Ah oui. Ça déconne pas. Non. Pardon. On va... Une consort. On a quel âge? On a 49 ans. On a tous nos mariages? Tu vieillis vite. Là t'as vu, hein. On croirait pas comme ça. Ça fait qu'une semaine qu'on n'a pas tourné. Hein.
Bon, on a tous nos mariages, mais le problème qu'on a, c'est qu'on a que deux mariages. Ça te pose problème. Eh oui. Un peu de cuivre, on va améliorer ici. Donc on va prendre une consort, parce que pourquoi pas. Allez hop. Mariage avec une noble du pays. La maison Seymour, à Derby. 6-3-4, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Oh là là, mais j'ai tourné la tête 2 secondes, je suis à 62k quoi. Non mais faut une guerre, faut dépenser de l'argent, hein. C'est pas possible autrement. Je voudrais faire un truc comme ça. Hop. Merde, misclic. Forcément. Écoute, si t'es chaud, on fonce, hein. Eh ben... Ouais. Ouais. Je suis en train de ramener... de mettre du monde à la frontière espagnole. Après, c'est qui? C'est la Lorraine. J'ai dit qui, c'est... Attends, je re-regarde qui c'est qui rejoindrait. Vas-y, vas-y, je dépense des sous, donc... Brandebourg. Alors, en plus, je peux appeler l'Espagne en co-belligérant. Ah, attends, quoi que... Il va peut-être venir avec beaucoup de monde, non? Enfin, alors non, c'est pas ça. Non, mais c'est par contre ce que j'ai pas fait gaffe, c'est que c'est la seule chose que j'ai pas fait gaffe, c'est que la Toscane et l'Espagne sont dans la coalition contre moi. Donc si je les invite, s'ils rentrent en guerre, tous les membres de la coalition seront appelés à prendre les armes. Logique. Ouais, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça. Ça fait quoi ça, Strasbourg, hein? Ouais, Naples, Opole, y a pas de gros quand même. Milan, Ferrari, Espagne, Ah, y'a l'Autriche. Ouais, y'a l'Autriche. Ouais, ça ferait un peu de monde quand même, un petit peu de monde. Je le conçois. Bah, on va taper dans les quoi, les 600 km, un truc du style, dans ces eaux-là. Ouais, un truc dans ce genre-là, hein, bien tassé, hein. C'est peut-être pas forcément... C'est un peu violent. Ouais, c'est peut-être un peu brutal quand même, quoi. Je veux dire, faut aussi qu'on se souvienne qu'on doit pas non plus trop les sous-estimer. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai pas fait gaffe à ce petit détail. Ah bah voilà, je peux plus revendiquer Mulhouse, justement. Bon, bah faut que je retourne faire un réseau d'espionnage, du coup, chez Lorraine. Bon, moi je dépense des sous pendant ce temps-là. Le canal de la Frise orientale a pris de l'avance. Ah, c'est vrai, on avait lancé ce truc-là, le canal de la Frise orientale. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. Je crois que je gagne des sous plus vite que je clique. C'est terrible. Je construis des bâtiments qui coûtent 400 et... l'argent va plus vite que je clique. Déclin des éléphants en Asie du Sud-Est. Ah bah zut. C'est terrible. Ça, c'est l'Espagne, Grande-Bretagne. Pouf. Non, ça appartient à l'Espagne. Qu'est-ce qui m'appartient là? C'est trop petit tout ça. Je vois pas. Ah oui, alors j'ai pas montré. On a renommé la colonie, la nouvelle colonie, puisqu'on m'a fait la demande dans les commentaires. Maintenant, c'est Kasketsuki à la place de Kaskadi. Nous avons donc Kasketsuki, notre nouvelle colonie, qui se porte bien, hein, je crois. Alors comme on regardait avant l'épisode, hein, les colonies ça commence à compter, 16 000 hommes quand même, mais on a Terra Papillote 103 000 hommes, les Flammes de Chobiti 80 000 hommes, la Malouisienne 74 000 hommes, ça commence à se sentir un petit peu. M'étonne. Alors, marchands dispersés, qu'est-ce qui se passe? Le champagne connaît marchands absents, aidons-les quoi qu'il en coûte. Bah bien sûr qu'on les aide nos marchands. Comme le dit l'événement, il nous rapporte une véritable fortune. Eh oui. Allez, on développe les Cornouailles pour la peine. Toc, toc, et toc. Est-ce qu'on ferait pas une petite revendication sur la suite de l'État, histoire d'avoir au moins un truc un petit peu moins cher éventuellement. Allez, c'est parti. Boum, un réseau. Du coup, tu voulais pas lancer une guerre, non? Tu regardais un truc, je sais plus. J'attends un petit peu pour le moment. Ah. Le retard. Maintenant, c'est le canal est en retard. Eh bien, dis donc.
Faudrait savoir. Est-ce qu'on le voit avancer le canal? Non. Non, j'ai pas l'impression. Hop, hop. Bah tu me dis quand t'es chaud. De toute façon, je... pour l'instant c'est assez qu'il y calme. Avait un petit peu de monde, donc du coup, effectivement. Même ah, je pensais que s'il y avait du monde quand tu l'appelais en co-belligérant, mais j'avais pas. Non, en fait c'est tout le temps. Ah oui, ouais. Non, c'est tout le temps. Forcément là, ça pique un peu quoi. Bah ouais. Malheureusement, sinon. Sinon, on y sera déjà, quoi, c'est ça que tu veux dire. Bah ouais. Par contre, c'est vrai qu'on voit plus trop, mais je suis surpris que l'Espagne soit encore protecteur de la foi. Parce que normalement, ça change à chaque fois. Ah bah, tant que personne l'a acheté, je pense que ça ne change pas. Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai, oui, c'est quand il faut l'acheter, ouais. Ok, donc c'est venu à l'idée de personne, visiblement. Ma foi. Alors là, on peut mettre plus de réserves. Coût de développement commercial, non, je veux de la productivité, moi, s'il vous plaît. Hop là. Et ça. Ça, c'est quoi? Défense locale, on s'en fout. Et encore de la productivité, mais oui. Mais à fond. Plus, toujours plus. C'est trop ça. On veut des sous. Je suis que à 600 par mois là. Ah, sérieux, j'ai commencé l'épisode, j'étais à 37. J'ai claqué, je sais pas, une trentaine de bâtiments à 400 et je suis toujours à 32 quoi. Je zoome sur les toutes petites îles pour construire des trucs dessus. Ah mais ici, y a rien de construit ici. Ça c'est la Kabylie, on s'en fiche, enfin on s'en fiche, c'est pas nous. On a le commerce de porcelaine, plus 0,25 de légitimité annuelle, parfait. Peut-être là, on que j'ai construit ce qu'il faut, on a pas construit ce qu'il faut. Outragé, voilà. Oh là là, tous ces trucs ne sont pas construits, mais que font nos réserves? C'est bien ça le problème. Hop. On gagne presque ouais, 2000 hommes par mois quand même. Ça y est, on est descendu à 23K. Alors ça, normalement, on en a partout, sauf là-haut, mais c'est pas hyper grave. C'est tout rouge partout. On va faire un là, hein. Qu'est-ce que ça représente, 1000 de blé, hein. Franchement. Tiens, la Valachie existe toujours. Ah oui, oh, elle est même plutôt pas mal posée. Bah, l'Ottoman est en guerre contre elle, comme ça, bon. C'est fait. Bon bah ça avance la révolution sur tes dernières provinces, toujours pas à 100, toujours pas à 100%. Non, je suis à 94,90%. Toujours Forez et le Barrois qui résistent, tant bien que mal. C'est ça. Y a pas un édit pour limiter ça? Parce que souvent y a des édits dans les trucs à débloquer là, conquête sans restriction, dépendance loyale, non. Mon dirigeant est mort. Ah. Bon, bah il était temps. Bon, oui. C'est un épisode un peu plus calme, hein, on va pas se mentir. 27 ans, 3-4-3, ouais, bon, ça va. Charismatique. Ouais, je suis bientôt à 200 points, je pourrais prendre la stabilité gratos, et ça c'est cool. Voilà, ça c'est cool. Je m'en lasse pas de ça. La stabilité gratos dans le truc clérical, ouais, là. Ouais, bien sûr, pas gratos, mais bon, pour moi je considère que oui, c'est bah, gratos. Oui, c'est, ouais, je pense qu'on peut... on est d'accord. Parce que bon, les points de ça, bon, maintenant qu'on a l'argent, je t'avouerai que ça sert surtout pour ça, ou pour une console, ou ce genre de truc, mais...
Ouais, mais j'avoue que j'aime bien la religion anglicane. Hein. C'est peut-être pas la plus énervée, mais ils sont quand même aussi, sympas moi. Les bonus. Voilà. J'aime bien aussi. Ça aide bien. Ah, une doctrine, un niveau tech, on est où? 85%. Qu'est-ce qu'on a? Réserve de mercenaires plus 25%. Ouais, c'est pas mal ça. On prend. Après, on aura plus 5 conseillers, coup de tech, capacité de gouvernance. Bon, je sais, je les prends à la fin de la partie, les doctrines administratives. Excusez-moi. J'ai même pas pris les doctrines navales, tu te rends compte? Et malgré ça, je règne sur les océans. Je suis joie. Tu pourrais pas prendre une des hégémonies, toi, la militaire, peut-être, non? Pff, non, tu rigoles, il faut 1000 troupes, je crois. Ah oui. Attends. Tu possèdes une armée au moins équivalente à celle de 100 000. 100k? Oh, ça 100k, se fait. 1000k, 100k. Non 1000k, 1000k. Ah 1000k, ah oui, 1000k, oui, ça, oui. Oui, 1000k c'est bon, ça se fait quand même, mais c'est un peu plus, oui, je vois. Je connais le chocolat 1000k, mais là, 1000k dans le jeu. Voilà, voilà. Tiens, ça recrute là, il y a une guerre? Faut taper sur des t'es gens bien, t'as, non t'as bien fait de pas relever. Non, non, je ne relève pas, moi, tu sais, les jeux de mots, je absolument pas mon truc. Non, mon œil. Il est où mon missionnaire? Mais il branle rien mon missionnaire, c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que tu fous? Il y a plein de trucs là, il y a des mayas à convertir, non c'est l'Espagne. Là il y a des animistes à convertir, et c'est parti. Au taf. Un soulèvement ternat. Les ternat, c'est où? C'est ce truc là. On a un truc qui nous appartient dessus. Ah bordel. 0, 0, 0. Ok, c'est où? Aru. Là c'est Buru ça. Aru. C'est là, d'accord, c'est ici qu'ils font chier. Eh ben on va les calmer, hein. Voilà. Oh là là, mais trop de points. Faut qu'on fasse des choses là. Une petite province qu'on pourrait développer. Norfolk, tiens. Il y a de l'acier. Ce sera nickel. Hop, on va passer à 30. Voilà. Des cadeaux. Ah, j'ai un marchand qui glande. Tu fais quoi? Tu collectes toi? Oui, tu collectes. Ici, il n'y en a pas. On va collecter. Hop, c'est parti. Ah, on a du charbon. Quand on a une bonne nouvelle. Pour construire un fourneau, peut-être. Oui. À Benkulu. En avant, un petit fourneau à Benkulu. Et on est à plus 710 par mois. C'est propre. Bon, il faudra de l'entraînement pour nos Amazones. Ça fait quoi, moi, si j'attaque... Alors, attends, là, je vais d'abord faire ça. Je vais un spelly là-dessus. Hop, voilà. Toi, tu vas attendre 2 secondes. Toi, tu vas revenir. Et si on attaque l'Espagne, ça se passe comment? Je peux... Je pourrais gagner 15 des bourgeois à loyauté en ayant 6 soulèvements. Et j'ai tellement rien à faire que je me dis que franchement. Ça se fait. Ouais, vas-y, je vais le faire. Bah écoute, alors, moi je peux attaquer l'Espagne. Juste... Ah, alors. Pour prendre attends, Gibraltar. Juste que je gère ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai que j'ai oublié que j'avais un casus belli permanent sur Gibraltar. Mais non, on va prendre la capitale, impérialisme. Ouais, juste le temps que je déplace mes troupes pour gérer les rebelles. Voilà. Oui, vas-y, ouais, vas-y. Non, mais programmer, tu sais, pour façon, pas perdre de temps. On a temps, le temps plus d'infanterie que le total de leurs réserves réunies. Alors, je te parle même pas des autres. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non, c'est pas la peine. On a 139,4 cavalerie. C'est plus que leur nombre de canons. Quasiment autant que leur nombre d'infanterie. Ah oui, quand même. Allez.
go! À la bataille! À la bataille! Allez les flottes! Sortez-moi des océans, on va aller tout de suite assiéger Gibraltar. Ici c'est parti. Alors ils vont où? Par là-bas. La flotte elle sort là. Voilà, 192 bateaux, ça calme. Ici, ils vont très vite s'occuper de ces gens. On va essayer de se débarrasser une fois pour toutes de ces colonies si on peut, au moins en Amérique du Nord. Ici on a une flotte, non? Ouais, ici on a une flotte. Hop. Là on est tout seul, on peut pas passer pour l'instant, mais il va sûrement prendre l'accès militaire, c'est pas la peine de se presser. En fait, je sais même pas si ça vaut la peine d'envoyer mes troupes, vu que de toute façon tu vas le marcher dessus. Tiens, vas-y, il y a 10 000 troupes là, allez, on va les choper. Normalement. Ma flotte arrive. On a plus d'amiral par contre. Si on en a où? On en a un. Allez, viens là. On va choper ces 13 000 bateaux là. Enfin, ces 13 bateaux, pardon, pas 13 000. Y a des Allez vite, faut que je les attrape avant qu'ils arrivent à Malaga. On n'avait pas une flotte dans le coin. Nous avons besoin de ces milices. Non, on perd 22 000 sur les réserves militaires. Parfait. Bah voilà, j'en ai chopé 12 000 juste avant qu'ils arrivent à la forteresse. Ah oui, ils sont là, c'est vrai. On embarque et on va aller se poser, par exemple, ici, à 14 000 hommes, c'est parfait. Je peux même... Je vais aller te faire le siège de Malaga, comme ça tu vas pouvoir te faire des bateaux. Ah, quoi que fais gaffe, les bateaux vont peut-être sortir au détroit de Gibraltar. Enfin, j'ai un doute. La fin des révolutions. Depuis l'échec de la révolution, aucun pays ne semble plus oser prendre sa suite. Tous les foyers révolutionnaires disparaissent, toutes les provinces perdent leurs idéaux révolutionnaires. Ouh. Toi aussi, t'as eu 20 000 notifs? Ah bah oui, parce que du coup, tous les pays disent enfin, là. Oh, non mais n'importe quoi, t'as une notif par pays, quoi. À tous les pays qui avaient dû commencer à voir naître les trucs. Non, même pas les trucs à l'autre bout du monde, quoi. Ah, mais du coup, mais la thune. Mais ça va être l'horreur. C'est vrai, ça. Alors, attends, ils sont en train de faire des combats. Il y a quand même du monde hein, dans les colonies. On va pareil, on va essayer de faire un peu attention à ce qu'on fait, quand même. On va aller assiéger la capitale avec cette flotte, ici. Ici, tu fais ce siège-là, donc il faut que j'aille là. En plus, ça t'aidera à le faire, c'est pas plus mal. Oh, t'es déjà à moins 7, mais c'est quoi ces forts de merde, là? Oh, des forts level 2, sérieux, l'espagnol. Oh là là, il nous insulte. Je trouve qu'il nous insulte. Je sais pas ce que t'en penses, mais je me sens insulté. Ah, ok. Droit de douane sur les épices, on taxe. Cette flotte-là, moi je veux celle-là. Voilà, toi, tu vas plutôt débarquer ici et on va aller se faire la Yutaya. Ming n'est plus un rival valable? Sérieux? À quel moment? C'est abusé. Où il y a du monde en fait là? La Yutaya a du monde. On va peut-être pas débarquer tout de suite dessus avec 40 000 hommes, c'est peut-être pas assez. Donc on va prendre le plan de base et on va aller là-bas. La grippe! Ah merde, Londres a la grippe. Ça, ça pique ça. Ah, Namira l'appareil. Je suis passé à plus 330 par mois, oui, oui, effectivement. Et toi, ça doit être bien plus encore, mais... Je suis passé à 800 par mois, c'est pas énorme, j'étais à 710, donc à 803. Tu sais qu'à plus 1000, un revenu mensuel de 1000, hein, c'est... C'est l'hégémonie économique, ouais. Mais je peux en prendre qu'une seule, je peux en prendre qu'une seule hégémonie. Ah, bon, j'ai vérifié okay. Déjà. D'accord. Très bien. J'ai vérifié. Progrès d'éclair, très très bien, pas de problème. Alors du coup on a trop de commandants à cause de cet amiral qui est apparu là, le coquin. Bon, c'est pas grave, on avait trop de points de toute façon, donc on va foutre. Un amiral ici, ah on peut pas, on prend de l'attrition, bah les bateaux sortent, donc on va rester. Ici, est-ce qu'on pourrait... 81 000 hommes, vous êtes sérieux? Ils sont 81 000 la blata espagnole là? Là par contre, attends. Qu'est-ce que... Quel est le fuck là? C'est quoi cette bataille navale où on perd là? Non. Non mais je rêve. Je rêve. D'où viennent ces bateaux? D'où ils sont sortis?
En Europe, tu perds une bataille ? Non, une bataille navale. Oui, mais bah, en navale, quand même. C'est où, elle est où ? Je la vois pas, ta bataille. Elle est dans le golfe d'Arguin, juste à l'ouest de l'Afrique. Il y a des bateaux de commerce qui ont été accrochés par des navires lourds. Oui. Du coup, ils se font un peu péter la tronche. Et t'as pas le temps d'y aller avec ton arme ? En fait, j'ai déjà perdu une bataille. Ils sont rentrés et ils sont ressortis tout de suite. Merde. Vu que je les mets plus en sabrité. Tu peux pas y aller avec ton armada ? Si, si, j'ai ma flotte la plus proche qui est à 80 là, qui se pointe. D'ailleurs, je vais lui mettre un amiral si je peux. Voilà, elle ira un peu plus vite encore. On va aller les défoncer, c'est pas trop trop grave, mais c'est surtout la tristesse quoi. Bon, bah j'enlève la pause. Là, on va pouvoir faire corrompre les fonctionnaires, oui, pourquoi pas. Allez hop, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Allez, faut arriver, petite flotte là. Ah bah non, bataille navale terminée. Non mais arrête de ressortir ! Qu'est-ce que tu... Putain mais il est pas possible, il arrête pas de rentrer et de sortir ce con. Ah bah oui, à ce niveau là, forcément, c'est... Oui, ça va être dur de gagner. Hein. Allez là, on arrive là. Il ressort, mais cette fois on est là. Non ! Il ressort encore ? Non mais si, mais parce qu'il doit... Il arrête pas de rentrer dans le port et puis derrière il repart, il est pas en mode sécurité, mais j'arrive pas à le choper quoi. Bon, faudrait que je fasse pause hein. Et oui, voilà, cette fois on va le défoncer. Voilà, 35 bateaux, plus que 35 bateaux, plus que 34 bateaux. Ah, tu fais moins le malin là, hein. Voilà, allez, bam. Barre-toi. Et hop, ça, à Malaga, j'ai sorti les autres. Alors, où est-ce qu'ils vont se replier? On va surveiller ça. Ouais, justement, je sais pas si je peux traverser encore. Non, faut que je prenne Gibraltar, je crois. Moi j'ai pas de petite croix donc il y a moyen que tu puisses traverser. Il veut pas. Ah dommage. Il dit que non. Est-ce qu'il pense qu'il faut le faire le siège de Gibraltar. Je vais aller le faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond ce con. J'essaie de voir où sa flotte va aller se planquer. Puis je vais aller mettre le siège devant. De toute façon, une fois qu'il aura plus de bateau, il aura plus de bateau. Hein. Ici, on va par ça, là. Ça c'est sûr. Où est-ce qu'il est parti? Par ici. De toute façon, la Yutaya va pouvoir prendre mes deux provinces et puis après elle fera plus rien. Ici, ah, ici, ici il se passe des trucs. Toi tu t'entraînes, on va quand même te piquer, tu vas aller faire des combats à la place, faut quand même pas déconner. Là, il se replie vers le côté du Maroc. Je sais pourquoi je peux pas, c'est parce qu'il faut que je prenne Fès d'abord. C'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, parce qu'il te disait, ah d'accord, tu pouvais traverser mais pas aller sur la province exactement. Ouais, ouais, et moi comme je cliquais que sur celle-là, j'ai pas fait gaffe, je pensais que je pouvais pas traverser, en fait si, je pouvais quoi. Je vois. Ah bref, c'est pas très grave hein, mais... Alors, c'est où ça ? Vélanel. Je vais avoir mon premier général 3 étoiles, bah il était temps hein. Ah bien joué, moi il est au combat là déjà. Il a quoi comme note ? 5-5 ? 5-1, bon c'est pas mal. Ici, il est parti où l'autre là? Il y avait 14 000 hommes, il a réussi à les embarquer, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est possible, hein, vu la tronche du truc. Nos Amazones, qu'est-ce qu'elles foutent? Pas grand-chose. On va essayer de choper quelques armées quand même. Histoire qu'elles servent, c'est nos seuls mercenaires, ce sera dommage qu'ils fassent rien. Bon, on va être en sous-nombre là, hein. On peut très bien se faire défoncer la tronche. On chope personne là? Il va où lui? Là? Et hop. On l'attrape. L'autre il se barre de toute façon, il a rien à foutre. Ici, il est parti où le coquin là? Il est parti là-bas, on va le poursuivre. Hein. De toute façon, ce qu'il faut c'est qu'il fasse pas de siège. Ça y est, lui, il se dit qu'il faut revenir. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Niveau tech et tout. Oulala, on le défonce. Ah ouais, ok. On a perdu ma peine 2000 hommes. L'oreille du capitaine Jenkins. Insulte diplomatique contre l'Espagne, on perd du prestige. Non, on insulte l'Espagne, y a pas de souci. Enfin, celle qui nous insulte en l'occurrence. Alors là, il a repris le siège ici. On va essayer de choper l'armée de 40 000 qui se balade. «
Ah, je me suis gouré, c'est pas le bon. Belitung. Belitung. Ah, par ici. Belitung, c'est où ça? C'est ça? Allez, bam. Voilà. Ici, on continue de faire le siège, on avance. On peut peut-être se scinder, ils étaient 14 000, on peut se scinder. Ok, le siège de Fès, c'est terminé, donc on va aller sortir les bateaux. Là, on va choper les 2000 hommes qui traînent. Ouh, il y a 60 000 hommes là-bas, de la Plata espagnole. Ah, mais il les a évacués par bateau? Non, il n'y a pas de flotte de transport ici. Bizarre. Allez, on va faire sortir ces bateaux pour la peine, après on s'occupera du reste. Ici, est-ce que tu voudrais bien me choper ça s'il te plaît? C'est pas tout ça, mais il fait des sièges pendant ce temps-là. Pendant qu'on lui court après, comme des cons. Ok, il va saler, ben, si tu veux. Il va ressortir aussi vite. Hein. De toute façon, je pense qu'il va là où il peut. Ah, notre clairement, consort oui. Est morte, mais on vient de la prendre. Oh, le Bénin, il a toujours ses fanatiques sunniques, le pauvre. Il n'en finit pas, quoi. Oh, mais c'est qu'il se défend, le petit, dis donc. C'est quoi ce délire? Pourquoi il m'a mis aussi cher, l'espagnol, là? Bon, bah, on a perdu. On a perdu! Capture du vaisseau amiral de l'Espagne! Encore un! Continuons, on décale à l'autre province. Ah oui, on a capturé le Diligencia. Par contre, le Salvador et le Diligencia. Mais ils commencent à être un petit peu endommagés, les bateaux, par contre, là. Ils vont se réparer tranquillement. Donc ici on a perdu, on a dit. Bah on va engager peut-être quelques mercenaires. Qu'est-ce qu'on peut recruter ici? Encore une compagnie des Amazones, la société Azafo. Est-ce qu'il y a moyen que je clique dessus, ça me montre ce que je peux? Non. Hein. Société des guerriers inuits, non. Société Azafo, 48 000, 12 canons, ouais, c'est pas mal ça. Allez hop, venez les gars. Bienvenue. Ah, mais toutes ces batailles navales, c'est toi qui sors des bateaux, c'est ça? Oui, chaque fois je prends pas trop vite les provinces qui sont en bord de mer. Comme ça, j'attends que. J'attends volontairement qu'ils. Ah, qu'ils remettent ses bateaux pour les ressortir, justement. Ouais, j'allais te le dire de te décaler. Ah, dommage, la frise fait un siège, je vais demander d'aller ailleurs. Pas là-bas plutôt. Voilà. Ouais, ici on va. Parce que si on prend toutes les côtes, après ils fuient loin et tout, là au moins ils vont de province en province, donc tu les sors à chaque fois, bim, ils re-rentrent à côté, tu les ressors, bim. Je trouve ça drôle, moi. Ça m'amuse. Tiens, d'ailleurs, il y en a 33 Abda là, allez hop, ils vont y passer aussi. Vu que t'es là. J'ai l'impression qu'il a réussi à sortir ses troupes là, je sais pas comment il s'est démerdé. Ah, ça y est, on les a coulés définitivement. Voilà, et bah parfait. Bon bah, je vais aller rentrer cette flotte pour réparer les bateaux plus vite du coup. Et il y en a 33 qui vont sortir dans les côtes du Maroc, mais qui est déjà avec 81 bateaux. Ouais, j'ai confiance dans mes 41 navires lourds là. En face, il y a 4 navires lourds et du transport. Je pense que tu peux avoir confiance. Vous prenez de l'attrition pour que dalle, donc repliez-vous là par contre, avant que le siège tombe. Il y a 40 000 hommes ici, reviens, compagnie des Amazones. Ah putain, il est en train de se replier. J'avais pas vu, il est en train de se replier ce con. J'ai amené 60 000 mercenaires, du coup il se replie. Ah. C'est veul, c'est très veul. Dès que je tourne l'œil, bam, le mec il se replie quoi. Alors ici par contre il y a du monde, hein. Il y a 29 000 hommes là, 40 000 ici. Oh bah putain, il lui reste plus que 14 bateaux. Allez, on va aller faire le siège de l'autre truc comme ça. Petit con.
Là, il va peut-être faire essayer de se dessiéger là. On va essayer de le choper s'il fait ça. Ouais. C'est exactement ce qu'il fait. Mais il a des rebelles qui ont pop. Il a 90 000 particularistes espagnols. Oui, bon, bon. Ah, attends, je crois que je vois un truc qui m'intéresse. Un petit point rouge là-bas. Ah, il s'est replié là, le petit salaud. En avant. Allez, stack-wapez-moi ce truc-là. Ici, vous. Alors, plutôt vous, vous allez par ici. Vous, vous allez vous poser sur le fort. Et là, on va essayer de choper ce qui se passe. Non, on va s'arrêter là, parce que l'épisode est trop long. Faut pas être trop gourmand, je sais. J'ai déjà vu tout à l'heure qu'il était un peu long, mais je me suis dit, on continue un peu. Il faut pas. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.